Ça va, elle a trois paragraphes. Mais je vais pas dire aucune information relative à l'histoire de ce lieu nous sont parvenues. Je vais pas dire ça, je dis comme... Si. Bah non, je dis juste que ce château, bah il a pas d'histoire, c'est tout. Mais je vais pas dire des phrases super compliquées. Et Alex, notre public, il est jeune, hein. Vas-y, je vais lire son truc, vas-y. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire découvrir le château Banana. T'as l'air dépressif quand tu le dis. Sois ça un peu. Ne touche pas le coup là. Et regarde dans l'objectif et souris. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le château Banana. Arrête de faire ta faux cul, je vais te mettre une claque en fait. Je vais t'en mettre une, Diana. D'accord. Tu le fais exprès. Oui. Ça y est, t'as pris ta petite photo. On a galéré à rentrer, tu boudais tout le long au fond. Mais meuf, qu'est-ce que tu parles? J'ai arraché la queue. Tu peux quand même montrer un peu. Je sais pas, dans. Volonté, un minimum. Mais d'accord, Juliette. Mais tu fais la gueule, allez là. Bah oui, clairement, je fais la gueule, oui. C'est pas compliqué de dire, nous allons visiter le château Banana. Aujourd'hui, on va visiter le château Banana. Voilà, c'est bon, je l'avais fait. Mais pas comme ça, fais une vraie voix. N'hésite pas à t'abonner et mettre un commentaire si tu apprécies le format de la vidéo. Et surtout, bon visionnage! Rien n'est beau, tout est cassé. C'est cassé, c'est pas bon. Ah merde. C'est tout avant. C'était maison. Maison partisane. C'est plus mal, c'est à 20 km. Pour aller sur le village. C'est bien. Tu vois, aucune information relative à ce lieu ne nous sont parvenues. En revanche, il nous
nous est possible d'affirmer que le château a été racheté par des Allemands au début du millénaire. Cazzo dici? No? Guarda. Oh. 5, 45. Tellement irrespectueux.
elles sont quand même sacrément défoncées, ces pièces. Hein. Ça a bien changé. Ouais, c'est normal. D'ailleurs pas réellement un château, mais serait plutôt un grand manoir. Il a ainsi reçu son nom d'Urbex suite à la découverte de caisses de bananes qui se propageaient un peu partout dans la maison. Pourquoi tu lis pas ce qui est écrit? Tu déformes les phrases en fait. Bah normal, tes phrases elles sont super dures, Alex. Je parle pas du tout comme ça. Parsemé. Je sais même pas ce que ça veut dire. Mais c'est peut-être à toi de le faire, tu l'as pas beaucoup fait la blague. Non comme tu veux, on verra. Ouais. Okay. Déjà, on en est là pour dire trois fois, c'est déjà une galère totale, alors... Bon, vas-y. Ce château a reçu son nom d'Urbex en raison de plusieurs caisses à bananes parsemées en son sein. On va garder ça, c'était la moins pire. Vous avez fait les combles ? Ouais, mais c'est un peu nul, c'est tout moi. Pareil, les chiottes, ça fait un peu bizarre.
c'est mort, il fait nuit, mec. Papa, il y avait rien ? Ah non, c'est pas, c'était pas la bonne porte, c'est pour ça qu'il faisait nuit. On n'a pas des plans extérieurs déjà ? Ah bon ? J'y prenais des photos, oui, mais ils se mettaient tout le temps devant les autres. Ok, parce que là, c'est plus dur. À moitié dur. C'est ici que s'achève cette aventure. Pour en découvrir de nouvelles, n'hésite pas à aimer et commenter cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos infractions. Allez, à la prochaine !